Et yo tout le monde, c'est Lemoine, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va analyser un joueur et un tech, les gars, très très particulier. Regardez juste ici, Anaban qui a réussi. Alors, j'avais jamais vu ça. On connaît Mohamed Laed qui a toujours eu 3 ou 4 comptes dans le top monde. Mais là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 comptes dans le top mondial. Il a fait ça il y a quelques jours. Regardez, tous les comptes sont à plus de 3000. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du niveau de chômage pour arriver à ça, parce que non seulement il faut avoir les cartes niveau 15, mais en plus il faut avoir le temps de jeu quand même pour monter champion suprême sur 7 comptes. Alors c'est pas compliqué, mais ça prend du temps. Et après il faut monter à 3000. Donc franchement, gros gros GG à lui, ça fait plaisir de le revoir au top niveau. Et du coup, je me suis dit, on va faire une petite vidéo dessus, on va essayer d'analyser un petit peu. Alors il joue pas évidemment la même version sur tous les decks et sur tous les comptes, puisque tout simplement, je pense qu'il n'a pas toutes les cartes débloquées. Et plutôt que de choisir qu'un seul deck, je me suis dit, j'ai pris trois versions qui revenaient le plus souvent. Et comme ça, vous pourrez choisir la version que vous préférez et la version que vous avez le plus max. Vous avez une version, je pense celle-là, je crois que c'est celle-là. Ouais. Celle-là, c'est la version un peu plus free-to-play puisqu'on n'a qu'une légendaire, je crois, on n'a que le sorcier de glace. Vous voyez que là, on a le bûcheron en plus de ça. Et bûcheron, dans celle-là aussi, on a le bombardier Evo. Donc voilà, selon les évolutions et les cartes que vous avez, n'hésitez pas. On va faire deux games avec chaque version. Et on va aller voir si s'il n'y a pas un petit truc à faire avec ce deck, puisque... Non, 7 comptes, on a dit. 7 comptes dans le top monde, les gars. Je crois que ça a jamais été fort. Ah, bah, évidemment. On va peut-être pouvoir commencer la vidéo, ce coup-ci, là. Ah, ça, c'est... Les gars, on ne peut pas effacer 6 ans de Clash Royale où il y avait juste à vérifier ce putain de deck qui était ici. Je sais pas pourquoi ils ont voulu faire ça, absolument. Qu'on doit copier-coller un deck en défi. Je trouve ça stupide, en vrai. Mais bon, c'est comme ça. En plus, on n'a même pas le PK Evo en plus de ça. Ben ouais, mais faut aller se faire enculer. Je suis désolé, Supercell. J'ai acheté l'évolution. J'ai le droit de la jouer en défi quand même. Qu'ils la mettent pas en free access, ça, je veux bien comprendre. Pour que, bah, c'est pour pousser un petit peu les joueurs quand même à débloquer la carte. Mais une fois que t'as débloqué la carte, le fait qu'on puisse pas la jouer en super défi, c'est vraiment une honte, hein. Enfin, bref. On va essayer de jouer sans, du coup. Ou alors on va partir en ladder. Je pense qu'on va partir en ladder après. On va tester un peu parce que j'ai quand même envie de tester avec le PK Evo. Alors ça a l'air d'être du cochon séisme en face. Deck qui tourne énormément que je vais affronter quasiment dans chacune de mes vidéos, j'ai l'impression. Et là on a très très bon match-up les gars. Hop là! On est trop trop bien. On va mettre un petit esprit élec pour les squelettes. Hop, en pré-shot, magnifique. Si ça pouvait gérer le canon. Hop là, regardez, magnifique. Hop là! Et voilà les gars! Gameplay Anaban, c'est moi Anaban en fait. Face reveal Anaban les gars. C'était moi depuis le début. Je pense que ça retape. Magnifique. Magnifique. On va mettre les dégâts de la bombe. Attention quand même, il peut peut-être mettre les cochons devant. C'est bon, fausse alerte les gars. Tout va bien. Tout va pas bien. Ah, je crois que j'ai raté le focus en plus. Ah, yes. Ah, j'aime trop cette interaction là. My dream. Bon. En vrai, c'est pas grave. Je pense quand même qu'on a un très très bon match-up. Je crois qu'il a squelette Evo là. Donc on va faire attention. Voilà, magnifique. Ah non, il les a pas. Bah, super. Et là, il est. Comment il fait là? Il peut pas def, les gars. Oh là là! Oh, mais c'est trop fort! Hop là, même pas besoin de gel les gars. Pas besoin de gel. Pas besoin de gel douche. Mais qui confond tout un peu. Eh mais attendez, ils ont buff le sorcier de glace ou quoi là? J'ai l'impression qu'ils l'ont buff hein. Hop. Et on est reparti je pense. On va pas mettre de PK. J'ai peur que si je remette un PK fond de map, il m'envoie un bus. Donc on va juste envoyer ça. Regardez. Oh magnifique. Hop, deuxième tour qui tombe, les gars, il ne peut rien faire. Non, dommage. Oh, même peut-être activer la tour du roi. Et défendre. OMG. Non. Allô? Oh non. Oh non, j'ai troll. Oh, la première game qui troll.
Attendez, ça fait combien ça? Ça suffit pas, je crois. Hein. Ok, on va. Eh, vous savez quoi, les gars? Hop. Voilà, on va pas s'enflammer. On a de quoi défendre dans tous les cas. Voilà. Oh, mais quoi? Oh, l'arnaque du siècle. Nice. Et là, normalement, ça finit, je pense. Ok. Bon, on a eu un peu de mal. Je pense que déjà, on a troll un petit peu la game. Mais surtout, on n'avait pas le PKVO. Donc, on va aller jouer en ladder à 9000. C'est parti. On reprend le bon deck ce coup-ci. Eh mais Supercell, vous voulez ma mort, genre c'est un truc de fou les gars. Oh, je dois compier, je dois créer le deck combien de fois avant de pouvoir le jouer? Est-ce que j'ai le droit de le jouer? Pas possible quand même. Bon, deuxième game avec la version free to play, on va dire. Qui est pas mal, même si j'avoue le combo bûcheron-ballon les gars. C'est toujours une masterclass. Ok, sapeur, esprit glace, ça a l'air d'être un deck assez rapide. On va mettre le ballon juste ici. Qu'est-ce que t'as? Oh, qu'est-ce que t'as toi? Oh putain, il va quand même jouer une dingue, lui. Oh ouais, go, hein. Oh ouais, les gars, on va pas se gêner, hein. On va vraiment pas se gêner, hein. Bon, ça va taper la tour. Attendez, mais je vais prendre tarif, là. Bon, on aurait dû se gêner, hein. Faut m'arrêter quand je fais des calls comme ça. Je pensais pas qu'il allait avoir le mineur en fait. Alors que c'était absolument logique avec des sapeurs. Ok, ça normalement on devrait pouvoir activer la tour du roi, je pense. Magnifique. Parfait. Mini PK, attends, mini PK? Ah, ça veut dire qu'il a peut-être pas de bâtiment. S'il a pas de bâtiment, ça peut être une bonne nouvelle pour le ballon. Ça veut dire que quand on va faire des gros push PK ballon, on aura le PK qui va tanker, on aura tout pour gérer Bats et Gobelin Servacan. Ouais, il est fini. Il est fini, les gars. Ou alors c'est moi qui ai fini. Allez, mais les sapeurs. Dommage. Non! Non! Je pouvais pas. J'ai attendu le dernier moment avant de mettre les squelettes, mais. L'esprit a quand même fait demi-tour. Ok. Bon là c'est bien, tu mets la pression, mais là maintenant tu dis quoi là? Tu dis quoi maintenant? Ok, golem de glace. Merde. Ah bah tu dis, ouais bah t'as bien raison en fait, tu dis ça en fait. Ouais, je vais fermer ma gueule un peu. Bon on va pas passer avant le x2 en fait. J'ai quand même l'impression que c'est un deck qui est assez faible en fois. Hein. Il va me remettre des sapeurs en plus. Oh magnifique, il les a mis de l'autre côté. En vrai, je pense pas qu'il avait besoin de t'en défendre. Voilà. Petit golem de glace. Ouais. C'est chiant. C'est chiant aussi. Là, par contre, il y a un gros push. Hein. Ça prend la tour. On remet ça. On remet ça aussi. 12 secondes, on peut tenir les deux tours, je pense, tranquille, hein. Oui. Oh là 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 là, ça défend bien. Moi, j'aurais pas été contre une petite bûche dans le match-up, mais. Ok, première version validée. On va essayer la deuxième version avec bûcheron. On essaye celle-là ou celle-là? C'est quoi la diff? En vrai, c'est quasiment identique, c'est juste une carte qui change. Ah non, deux quand même. Vas-y, on va rester dans le sorcier glace. Hop. Et le dernier, on ira le tester en classé. Comme ça, on monte crescendo, les gars. C'est parti. C'est parti, 9000. C'est dommage qu'ils aient pas fait une arène, genre. Enfin, une route des trophées où on peut monter, genre, à 15 000, 20 000 trophées. Ça aurait pu être drôle en vrai. Oh, le cycle, poteau! Oh!
Attends, quoi? C'est pas ça que c'est la position qui était indiquée là. C'est quoi cette arnaque? J'ai vu la foreuse à un autre endroit. Bon, foreuse, encore un bon match-up. Bah attendez, mais il n'y a que des bons match-up dans... dans ce truc. Nice. Il a rien d'autre, je crois, comme anti-rien. Mais j'aimerais bien brancher le chargeur en fait. Je peux arrêter de m'envoyer des... Merci. Ah bah y'a plus de tour! Et on a des cartes 14. Bah attendez, j'avais même pas capté, on a des cartes 14. On joue avec des cartes 14 depuis tout à l'heure. Et j'ai pas du tout copié, c'est pas le bon deck. Oh, c'est pas facile, hein. C'est pas facile, c'est pas facile. Mais putain, je vais péter les plombs, frère, à copier 45 fois le deck aussi, là. Déjà que je peux plus copier les decks. Non, c'est franchement, c'est de la merde. On peut plus copier les decks sur les profils des joueurs. Donc, par exemple, Anaban, je vais sur son profil. C'est pas le putain de deck qui joue en classé, c'est le deck qui joue en redé trophée, sauf que personne joue en redé trophée dans les top mondes. Non, mais ça rend ouf, franchement, de faire un système aussi débile. Genre, chaque fois que tu joues un deck, tu dois le changer 15 fois de machin. Non, à un moment donné, moi je dis non. Moi je dis non. Moi je boycotte. Moi je boycotte pas parce que sinon je peux plus faire de vidéo, les gars, mais. Ok, nice. Bon, il mérite son BM. Ah, j'avais même pas tilté que j'avais des cartes 14. Et vu que ça coûte trop cher de tout max. Hop. Donc. Je revais dans le machin. Hop. Copier. Après, il faut coller. Et là, est-ce qu'on met le bûcheron? Allez, on se fait un petit kiff. On met le bûcheron. Sort ce glace, il va se faire foutre. Parce que je pense pas que je l'utiliserai le bûcheron, pourquoi pas. Ok, donc deuxième version. Prise 2, action. C'est fou les gars, il n'y aura qu'une game avec le deck, j'en ai rien à foutre. De toute façon, on a une troisième teston, une troisième version à tester juste après. Hop, on va mettre le zap. Ah, parfait. Ah, j'aime bien quand ça commence comme ça. Par contre, dis-moi que ça one shot les bots. Hein. Oh là là, le pay to win Clash Royale. Non, j'ai mis ce clic. À quoi tu joues, poteau? À quoi tu joues, frérot? C'était quoi ce mini Pega? Non, mais les gars, j'ai pété les. J'ai mis ce clic, un bûcheron fond de mec. Le mec, il a mis mini Pega au pont direct. Calme-toi, calme-toi, frérot. Oh, le détraqué. Le gros. J'ai jamais vu un détraqué comme ça, les gars. Ok, petit tourne à tour du roi, magnifique. Est-ce que je pars? En vrai, je peux partir là. Oh là. Oh là. Ouais. Si tu veux. Ah mais je perds, j'ai rien pour gérer l'arty. L'arty ça va être un cauchemar là. Putain d'artificier là. Allez, un petit effort s'il vous plaît. OMG. OMG le petit effort. Oh j'aurais pu gel. Oh pourquoi j'ai pas gel? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais les gars? Bon c'est pas grave. Je pense qu'il a plus beaucoup d'élex. Il y pose de l'élex en fait à chaque fois qu'il en a. Bah le bûcheron qui prend la tour, je comprends plus rien que là je crois. Il l'a pas défendu. Qu'est-ce qu'il fait? Faudrait que je commence à compte free to play quand même, dans pas longtemps. Pour vous montrer qu'on peut monter, malgré les difficultés, on peut. Même si je pense que je deviendrai fou. Hein. Jouer des cartes 12 contre des cartes 15, je donne pas très cher de mon mental en vrai. Hein.
Mais je sais que c'est une aventure, je pense, qui vous plairait. Ça pourrait faire des petites vidéos sympathiques de temps en temps. Ça ferait un bon marathon. Bah, je pense peut-être prochain marathon. On a une barre de soutien qu'on fait en stream là, juste en dessous là. Vous avez le lien dans la description d'ailleurs si vous voulez soutenir la chaîne. Et je pense que prochain marathon 24 heures, on fera du top ladder et du ladder free to play. Je pense que ça peut être pas mal. Allez, il est temps de passer aux choses sérieuses, les amis. Maintenant qu'on a pris un petit peu le deck en main, on va partir en classé direct sur le main. Bam. Et on va voir ce que ça donne, hein. Je promets rien, les gars. Déjà, si on fait une victoire, c'est pas mal. Ouais, évidemment, c'est un top monde en face. Allez, full tryhard, les gars. C'est parti. Oh, ça commence bien. Des gardes fond de map. Après, s'il n'y a plus de gardes, on peut utiliser un PK. Ça peut être pas mal. Garde-bûche. Oh, en tout cas, j'aime bien un petit cochon. Non, j'ai pris un coup. Comment j'ai pu prendre un coup, là? J'ai stressé. Non! Comment je passe, les gars? Oh! Comment je fais? Arty plus Tesla plus garde. On va tenter un truc comme ça, genre. Ça me paraît pas mal. Parce que là, il a plus rien. Il a plus rien. J'ai capté. J'ai capté! Vous avez capté ou pas, vous aussi? Hop là, mais il est trop fort le deck! Les gars, je suis en classé sur mon main! Et je rush mieux qu'avec mon deck! Oh là 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 là. Magnifique rush kit! Ça rush kit déjà en face. Magnifique. Oh, par contre, je vais bien prendre le temps de construire mon push parce que je. En vrai. Oh, en vrai, les gars, on y va direct, je pense. Je pense qu'il a vraiment rush kit. Nice! Bon bah écoutez, c'est pas mal hein! Magnifique! Hop, on va récupérer tout ça. Plus 29. 29 Elo les gars, gratuitement. Ça me régale. Et ben on continue hein. Deuxième game. Deuxième et dernière game. C'est le moment de mettre des pouces bleus. De soutenir la chaîne. Ce magnifique Sweet Clash Royale en plus de ça, là, je vais sortir l'artillerie lourde là. Alors, papou. Ok. Après, il a abusé, les gars, à mettre sa Tesla comme un. Un noobs. Ah, j'aime bien quand. J'ai pas le bûcheron main de départ. Du coup, j'ai un d'élixir de moins. En vrai, ça va, je pense. Ouais, ça va. Ça reste un bon match-up, je pense. J'espère qu'il a pas les gardes. Ouh, c'est mon deck. C'est mon deck, les gars. C'est mon deck. Est-ce qu'on ferait pas ça, les gars? Regardez la petite astuce. Vous allez voir la petite astuce du chef. Il a plus le phénix. Regardez-moi ça. Et là, ça va pousser normalement. Ah, bah, ça va pas pousser longtemps. Dommage. Je pense qu'il y avait un bon gel à aller chercher là. Je pense qu'il y avait un très très bon gel à aller chercher. Mais je me suis chié dessus. C'est pas grave. C'est pas grave, écoutez. Est-ce qu'il va partir à l'opposé? Non, je pense qu'il va def. Hein. Je pense qu'il va cycler sur son PK. Hop, petit gel en détente. Mais attendez, mais les gars, mais je m'attendais pas à un rush comme ça, moi.
Oh là 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 là. Un deuxième rush kit? Ah, dommage. Ah, si je faisais rush kit deux mecs en deux games en classé, les gars, c'était trop. Hein. Bon, on est bien, on a plus qu'à def. Hein. Y'a plus qu'à, les gars. Ah, attention, bombardier Evo. Je suis une merde, j'ai oublié. Non, c'est bon. Bah, c'est carré tout ça. Bah, magnifique! Hop, on va mettre le petit baby. Non, il veut pas lâcher, les gars. Sauf que là, je peux def. Enfin, je peux gel def maintenant. Regardez. Oh, regardez-moi ça. Ça, c'est trop trop fort aussi. Ah, allô? GG. Bon bah écoutez, magnifique vidéo. Encore un gros GG à Naban pour sa perf, les gars. 7 comptes dans le top monde. Franchement, je comprends pourquoi. Pourquoi pas creuser un petit peu plus avec ce deck. Franchement, j'aime beaucoup. Et puis voilà. N'hésitez pas à liker la vidéo si ce n'est pas déjà fait. À mettre le code créateur Lemonty dans la boutique. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'est Lemonty. Ciao, ciao.